Mais que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, mes frères et sœurs, c'est que les enfants ont décidé d'être autre chose, ou une autre personne, ou de se comporter de manière bizarre. Même les parents même ont du mal à les contrôler. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous allez voir ici dans cette vidéo, mes frères et sœurs, que ça ne vous pousse pas à répondre les mêmes choses, c'est quelque chose de vraiment étrange. On ne sait pas d'où ça vient, mais nous devons vous montrer toutes ces histoires. Et vous devez savoir que ici, sur Instagram, chaque jour, les vidéos de ce type arrivent. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et laissez un j'aime quand vous aurez appris quelque chose ou vous aurez aimé la vidéo, tout simplement. Et si vous n'avez pas apprécié, faites ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'argent que les grands-mères. En fait, c'est pas un constat général. C'est cette fille-là qui le dit. Où est-elle? Elle est ici. Elle dit que elle a beaucoup plus d'argent que nos grands-mères. Ce qui est étrange, c'est qu'elle va tout nous dire ici. Il y aura des images qui vont défiler. Vous allez voir comment les enfants se comportent sur les réseaux sociaux. Vous serez même surpris. Et ces enfants, cette fille en question, elle a juste 9 ans. Et à 9 ans déjà, ce qu'elle fait, ça me dépasse. Ça me dépasse au plus haut point. Au point où nous avons décidé de faire cette vidéo qui est en préparation depuis plusieurs jours. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum et amenez les enfants à ne pas copier de telles attitudes. Les enfants de cet âge, où doivent-ils être en ce moment? C'est à l'école. À 9 ans, tu dois être à l'école, préparer tes études, te construire, les diplômes, la connaissance, tout ça, tu dois, c'est important. Va t'asseoir sur les bancs, au lieu de rester là, de raconter des histoires. Écoutez, 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 assez bavardé, nous allons vous montrer déjà. Je suis chaud, je vais vous montrer là tout de suite ce qui se passe. Ce qui se passe, mes frères, ce qu'on va vous la montrer, c'est so much money. So much money. Elle dit qu'elle a beaucoup plus d'argent que la grand-mère des gens. Est-ce que c'est pour faire le buzz? C'est que si ça fait déjà le buzz. C'est pourquoi nous vous montrons ça aujourd'hui. Pour voir qu'est-ce que vous en pensez, mes frères et sœurs. Nous sommes en famille ici, on va échanger des vraies choses. Et regardez ce que ça donne. Ça donne juste une fille. Elle a de l'argent. Je dirais même beaucoup d'argent. Elle ne sait pas d'où vient son argent, mais elle en a beaucoup. Peut-être que ce sont ses parents qui sont riches et qui met à sa disposition toutes ses sommes d'argent. Et voici ce qu'elle peut souffrir. Elle-même, elle est au volant. On ne sait pas si elle conduit elle-même une voiture. C'est ce qu'elle va nous dire dans la suite de la vidéo, qu'elle a acheté une voiture à plus de 150 000 dollars. Et ce qu'elle suit, c'est qu'elle a de l'argent à la main. Et avec ça, elle peut se prendre en photo sur les réseaux sociaux. Et même utiliser des liasses de billets comme s'il s'agissait d'un téléphone. Waouh! C'est étonnant. Et quand on va plus loin, on voit que de telles filles, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, ces deux filles sont en conflit. Elles ont été en conflit. Et ça donne un truc que nous allons vous montrer à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin. Et quand vous regardez là, ça a formé de groupes de filles qui ont de l'argent, ou des filles à papa, ou des filles qui des enfants de poste qui ont décidé de nous montrer leur argent. Jusqu'à faire la main connue comme ça, genre pour signifier le signe satanique ou encore sorcier ou satan occultiste. Ce qui est sûr, c'est que c'est réglé. Les gens sont en train de faire le buzz sur internet en ayant un mauvais comportement. Et c'est les enfants aujourd'hui que le diable utilise. Ce sont les enfants aujourd'hui que le diable utilise pour manifester un mauvais caractère, un mauvais comportement, de sorte à pousser d'autres enfants à faire comme eux. Et regardez ce que ça donne. De tous les côtés, cette fille essaie de nous prouver par A plus B et écrit haut et fort qu'elle est riche. Regardez ça. Waouh.
qui aimerait être à sa place? Qui aimerait être vraiment à sa place? Elle parle avec arrogance, mais au fond, c'est une fille qui est simple, qui est timide. Moi, je pense que elle le fait juste pour le buzz. C'est que si vous verrez, si elle le fait pour le buzz ou pas, quand vous verrez les vidéos que nous vous montrerons dans la suite. Et vous voyez que c'est, quand vous voyez, je vois son visage, je vois en elle une belle fille, une fille très intéressante, mais qui joue un rôle. Quel rôle joue-t-elle? J'ai l'impression que c'est son rôle qu'elle a toujours joué ainsi. Et le diable est en train de l'utiliser sans qu'elle s'en rende compte. Peut-être qu'elle est consciente de cela, mais tout ce qui l'intéresse, c'est de s'amuser. Et ça va plus loin, parce que là, elle fait des clashs avec d'autres enfants de riches, même avec tout le monde. Parce que quand elle dit qu'elle a plus d'argent que les grands-mères des gens, là, il y a un problème sérieux. Et ça devient de plus en plus réel. Maintenant, nous allons vous montrer en vrai qui elle est, comment elle se comporte sur le terrain. Regardez ça. Mes frères et sœurs, ça va même vous étonner. Nous allons vous montrer élément par élément pour que vous compreniez. Regardez ça. Là, tout le monde qu'elle a de l'argent. Regardez ça. Waouh! C'est assez inquiétant, n'est-ce pas? Elle nous montre qu'elle a de l'argent. J'ai de l'argent. Elle jette des billets de banque par ici. Elle monte dans la voiture tranquillement. Et elle parle. Et elle continuera à parler. Nous allons montrer dès qu'on trouvera l'image qui suit. Vous allez voir que vraiment, ça, c'est vraiment une crise. Une crise. Je ne sais pas si c'est une crise d'épilepsie. Mais regardez. Elle ne fait que parler. Et cette fille qui a l'écran, elle se plaint. Elle se dit, mais au lieu d'être à l'école, regarde ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'interroge, elle s'inquiète. Et vous allez voir ce que cette fille va faire ici. Là, elle va nous montrer une voiture qu'elle a achetée. Et vous allez voir que, pour nous montrer qu'elle est riche, elle va faire un truc que personne ne peut faire. Regardez ça. Elle a frappé la voiture, la porte. Nous venons un peu en arrière. Elle frappe la portière de la voiture avec ses pieds. Et elle endommage carrément la portière. Vous verrez le résultat tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ça sera bien filmé, bien montré. Leur intention, c'est de nous montrer que cette fille, elle est riche. Et regardez ça. Regardez bien ça. Mes frères et sœurs, combien peut coûter cette voiture? C'est une voiture qui coûte très cher. Au moins 150 000 dollars. Et regardez ce qu'elle en fait. Mes frères et sœurs, c'est de ça il s'agit. Et ça sert à quoi? À quoi ça sert? Regardez même la réaction de cette fille. Regardez comment elle est même surprise. Elle est étonnée. Ah! Comment les enfants réagissent-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle image elle veut donner aux enfants? Pourquoi le diable l'utilise dans cette dimension? Pourquoi? Mes frères et sœurs, c'est grave. Regardez même ça. Vous allez voir tout de suite ce qu'elle va faire. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir. Elle va faire comme les bouteurs la plupart du temps. Et vous verrez que franchement, il y a quelque chose qui se passe. Regardez ça. Vous voyez, elle a de l'argent. Elle jette de l'argent passé par là. Voilà. Elle monte encore de la voiture. Une autre voiture encore ici, toujours avec de l'argent et de l'argent qu'elle va encore jeter ici, jeter sous le regard de tous les abonnés. Et à chaque fois qu'elle le fait, elle parle et elle nous dit que elle a l'argent, elle a même plus d'argent même que beaucoup de personnes, elle nous dit qu'elle a 9 ans et à 9 ans elle a beaucoup plus d'argent que beaucoup de monde et elle vit comme ceci, elle vit comme cela. Elle va même plus tard nous dire que elle a acheté une maison à une mansion, une grande très grande maison, comment ça s'appelle, un domaine à 8 millions de dollars. Et regardez, elle est toujours dans son show, hein. Regardez ça, elle monte à l'intérieur de la maison. Un manteau.
Et waouh, c'est pas tout, mes frères et sœurs. Et bien, nous montrons encore toutes choses que nous allons vous montrer ici. Dès que les images apparaissent, vous verrez que vraiment, il y a un truc qui se passe. Regardez ça. Il y a vraiment une chose qui se passe. Les enfants font ce qu'ils veulent. En fait, les enfants des riches. C'est pas tous les enfants des riches, mais c'est eux qui se comportent ainsi. Et ça, c'est un message qu'elle est en train de balancer. Elle est en train de lancer un message comme ça. C'est un message. Et regardez là. On voit une voiture de luxe juste là à l'arrière. Et son chien. Vous avez vu ça? Même son chien est rempli de sous. Il est prêt à craquer. Bon, si tu as beaucoup d'argent, tu as autant d'argent. Viens faire les dons ici, Seigneur Souban. Viens faire les dons. Tu peux faire les dons. Tu peux soutenir ceux qui en ont besoin. Mais pourquoi prendre cet argent et faire des trucs même parfois inutiles? Les choses vraiment assez compliquées. Et nous avons envie de vous montrer. Il faut qu'on vous montre toutes ces choses. Il faut qu'on vous rappelle toutes ces choses. Regardez ce qu'elle va faire. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, regardez, il y a une chose, il y a une partie qui m'a le plus même surpris. Vous allez voir que, effectivement, les gens, quand ils ont de l'argent, ils aiment se filmer avec tas d'argent, beaucoup d'argent, jeter de l'argent comme ça, regardez, regardez ça. On jette de l'argent n'importe comment. Waouh! Vous avez vu ça? Et elle parle à chaque fois. Elle nous dit qu'elle a de l'argent. Elle nous dit qu'elle est riche. Et c'est un comportement. Oh, en réalité, regardez comment elle est douce. Alors, revenons juste un peu en arrière. Vous allez voir son visage. Là. Vous allez voir qu'elle est douce. Elle est... On a l'impression qu'elle est en train de jouer un rôle. C'est comme si des gens la poussent à faire ce qu'elle est en train de faire. Regardez ça. Ou peut-être c'est une entité de Monaco. C'est qui? Ou elle veut juste apparaît sur les réseaux sociaux ou faire le buzz. Regardez comme elle est jolie. Elle est trop jolie. Regardez ça. Elle est tellement... Elle est vraiment belle. Vous avez vu? Même cette fille dit, mais... Ah, regardez. Elle en est douce, elle en est timide, tranquille. Et elle se pose la question, ça, mais... Qu'est-ce qui n'a pas marché chez elle? En tout cas, je vous pourrais même vraiment vous dire... Qu'est-ce qui n'a pas marché chez elle? Parce que dans la vidéo que nous allons montrer même ici par la suite, là, ce qu'on va faire là, vous allez comprendre qu'il y a tout qui se passe vraiment. Et c'est là, nous allons demander à tous les enfants de ne jamais refaire ça. De ne jamais refaire ça, que vous soyez un enfant ou une grande personne, ne le faites pas. Elle va tout simplement déchirer un pied de banque. Et regardez ça. Elle déchire le pied de banque. Elle est belle, hein? Elle est jolie. Mais elle déchire en mettant le pied de banque. C'est interdit! Qui vous a dit qu'il faut déchirer le pied de banque? T'as trouvé Dieu pour l'avoir, mais fais attention. Si tu déchires un pied de banque, les gens vont venir te prendre. Ah! La sécurité, tout le monde viendra. Il n'est pas censé déchirer ce pied. La police a vu te chier. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vous montrer. Et ces gens d'histoire font le buzz sur Internet. Et elle continue à chaque fois, vous voyez que la caméra tourne à chaque fois. Quand ça tourne, c'est qu'elle est là encore en train de faire autre chose quelque part. Ici, ils sont en train de nous prouver que ce sont des vrais billets. Ils veulent nous prouver que ce sont des vrais billets, qu'ils ont vraiment de l'argent. Regardez, lui, il est là juste pour dire, oh, c'est des vrais billets, c'est de l'argent réel. Vous voyez, c'est de l'argent réel, elle n'a pas à inventer des agents d'histoire et que c'est réel. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec des tels de tout pareil? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Si nous vous montrons ces choses, c'est parce que ça affecte nos enfants. Regardez, il y a des enfants qui veulent copier et les enfants n'ont pas de guide. La plupart du temps, les parents sont très occupés à travailler, faire des choses. Peut-être les parents ne savent même pas que les enfants sont fans. Des gens, des personnes qui s'exposent comme ça, avec quel caractère.
Et c'est si elle nous dit qu'elle va acheter sa maison à 8 millions de dollars, ça... et puis qu'elle a plus d'argent que nos grands-mères. Ouais, comme la fille Harry. Elle dit qu'elle a plus d'argent que nos grands-mères. Carrément! Elle a plus d'argent que la grand-mère de qui? Tu vois, ça devient bizarre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est qui est étrange aussi? C'est que ces filles-là, elles se font de la concurrence sur les réseaux sociaux. Parfois, même ça va jusqu'au bagarre. Vous voyez, s'il y a une d'entre elles qui est fâchée, regardez, elle s'exprime. Peut-être qu'il y a une autre fille qui, du même groupe qui l'énerve. Donc, elle a décidé de s'exprimer. Genre, elle veut faire les choses. Et elle continue, vous allez voir encore que cette autre fille-là va venir. C'est introduit dans le show, dans le game, regardez. Voilà, une autre fille qui est dans le même groupe avec l'autre fille. Elle a beaucoup d'argent aussi. Vous avez vu ça? Et c'est réel. Elles ont beaucoup d'argent et elles font le show, elles font la joie. Elles parlent sur les réseaux sociaux. Elles se filment. Elles se montrent avec cette image. De beaucoup d'argent, toujours. Quelqu'un m'a dit, oh, il faut la laisser faire. Quelqu'un a envie de faire. La professeure, à leur âge, elle devrait être à l'école. Et non, en train de réagir de la sorte. Mais c'est pas tout. Vous allez voir encore quelque chose. Vous allez voir que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et regardez, même comme cette fille, elle est étonnée. Regardez. Elle est surprise. Mais regardez pourquoi elle est surprise. Regardez comment cette fille est en train de réagir. Regardez ça. Les réseaux sociaux, c'est la joie, les gens causent, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire, et finalement ces filles-là vont se rencontrer et c'est là la bagarre va commencer. Regardez cette fille qui est là-bas, c'était qui parlait précédemment, et cette fille-là, c'est celle-là même qui s'est ajoutée à cette fille qui présentait de l'argent qu'on vous a montré en premier lieu de cette vidéo, et ça va donner des discussions. On se retrouve dans un endroit, on sait pas si ça peut faire le buzz. Mais ça va devenir des parlables. En ce moment ici, elles sont en mode discussion. Et tous les réseaux sociaux en parlent. Tout le monde en parle. Regardez. Comment peut-on partir de simples choses comme ça? Vous vous disiez sans doute que c'était des simples choses. Vous vous disiez sans doute que c'était des simples choses. Mais regardez, vous allez voir ce que ça va donner. Et ces gens qui sont à côté, ce sont des gens plus âgés que ces filles et ils ne peuvent pas donner de vrais conseils à ces filles parce que pour eux, quand tu as de l'argent, tu as le pouvoir et celui qui a de l'argent ferme la bouche des gens. Ça, c'est quoi ça? Plus de respect pour les aînés. Regardez ça. Elles sont là. Elles cherchent à se bagarrer. Au lieu d'être à l'école en train d'étudier, à train d'apprendre des vraies choses, elles sont en train de se bagarrer. Ouh, vous avez vu ça? Vous avez vu cette fille? Elle est venue de nulle part. Elle lui a donné un coup sur la tête. Vous voyez où ça va? Peut-être au départ, vous avez dit, oh, pourquoi vous vous intéressez aux affaires? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Maintenant, regardez comment ça devient ici. Le buzz. La bagarre. Elle lui a lancé un coup sur la tête. Un coup sur la tête, carrément comme ça. Un coup sur la tête, carrément. Et vous voyez les trucs pareils et vous ne dites rien. Vous voulez qu'on vous regarde ça comme ça pour vous dire allez-y, continuez, c'est bien, c'est chic. Vous voulez qu'on vous dise ça? Ne comptez pas sur moi. Et tout pareil. Regardez comment ça devient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez-moi ça. Vous n'allez plus à l'école. Regardez même cette fille, elle est étonnée, elle se demande, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de signe? Vous n'allez plus à l'école. C'est ce que vous êtes en train de faire, regardez encore ça. Vous n'allez plus à l'école, c'est ce que vous faites. Elle veut se bagarrer. Elle veut faire du sale. Mais finalement, ce sont elles-mêmes qui vont tomber dans de l'eau. Vous voyez ça? C'est vous-même qui allez tomber dans de l'eau comme ça, vous allez tomber dans les problèmes. Maintenant que tu es tombé dans de l'eau, si tu ne sais pas nager, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te noyer, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, les démons vont venir te chercher.
Parce que ce sont eux qui t'ont amené à faire tout ce que tu as fait. Tu as cru que c'était toi qui le faisais parce que tu te voyais seul sur le terrain. Mais des démons étaient à côté, ils te voyaient. Ils te voyaient tous et ils savaient ce que tu faisais. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Et regardez encore ici. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter! Décidément, ils sont prêts à tout. Regardez ce qu'elle a fait. Vous voyez ça? Ça m'étonne. Viens ton ami qui a goûté, ça m'étonne! Viens ta voisine qui a goûté, ça m'étonne! Regardez-moi ça. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. C'est la guerre. Les gens veulent se tuer. Ils veulent se battre. Les enfants, les grandes personnes, on ne comprend plus rien. Même des célébrités, des stars, ils se donnent rendez-vous dans un endroit pour se battre. Et le monde, c'est ça. Ils veulent se battre. Ils veulent se battre. Mais finalement, ils se font eux-mêmes du mal. Mais ils ne le savent pas. Ils sont en train de se faire du mal. Ils sont en train de s'auto-détruire. Quelle image. Comme si une personne était possédée par un démon. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est sûr, mes frères et sœurs, c'est que si on ne vous a pas montré ça, ce n'est pas bien. Regardez comment elle est venue agiter. Et cette fille encore, là, regardez sa taille. Regardez sa taille. C'est une enfant, ce sont des enfants qui sont là. Ce sont des enfants. Elle a juste 9 ans et elle a commencé à dire déjà qu'elle a plus d'argent que les grands-mères des gens. Tu as plus d'argent que ma grand-mère, quoi. Qu'elle a dit qu'elle a plus d'argent que sa grand-mère. La grand-mère seule. Ah, cela a dit, ah, mais moi, ma grand-mère, j'ai décidé. Regardez ce que ça donne. Et c'est devenu des garçons manqués. Ou des filles avec un caractère dégueulasse. Juste pour faire le buzz, juste pour faire le buzz. Et elles ont réussi à attirer le regard du monde entier. Et au travers de ça, elles se font guérir. Du sous de l'argent au travers des gens, des vues sur internet et des gens qui les regardent, qui regardent tous leurs mouvements comme s'il s'agissait d'un film ou d'une série de télévision ou mais une télé ou mais elles ont fait la télé-réalité. Vous voyez, non? Voilà, là elles sont suivies. Et en réalité, c'est ce qui marche sur internet quand il y a la bagarre, des stars, ils font le buzz, ça tire le regard des gens. Donc, ils ont vu que ça marche et ils le font, ils ne vont pas s'arrêter de le faire. Mais, quand les enfants décident d'entrer dans la sauce, là, ça fait peur. Là, ça fait peur et même plus peur que peur. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et cette fille ne pouvait pas se taire. Elle a décidé de faire une vidéo pareille pour pouvoir nous dénoncer toutes ces genres de choses. Et nous, nous avons récupéré quelques informations là-dedans pour pouvoir vous les montrer et vous demander ce que vous en pensez. Mais ça m'étonne. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et partagez au maximum cette vidéo. Partagez-la. Et dites-nous ce que vous en pensez. Waouh, ça c'est incroyable. Les gens filment, les gens sont filmés. Hein. Ce sont des séries du spectacle, c'est du spectacle, c'est le show, c'est le show. Laisse-nous nous amuser. Et il n'y a personne pour leur parler, personne pour leur dire quoi que ce soit. Parce que ces filles-là, elles ont de la grosse tête maintenant. Elles veulent faire tout ce qu'elles veulent. Sans que quelqu'un leur dise quoi que ce soit. Et regardez ce gars aussi, il est là. Lui aussi, c'est un jeune homme. Vous voyez que ce n'est pas que des filles, hein, c'est aussi un des hommes. Voilà, lui, il est là, les garçons. Il est là, il nous parle, il dit qu'il a l'argent, ils ont l'argent. Que beaucoup de personnes dans le monde, voilà, ils ont de l'argent, ils se glorifient, ils ont de la fortune. Il nous parle de quelque chose. Et il nous raconte pratiquement même rien de bon. Mais. Puisque il y a quelque chose pour attirer le monde, donc on les regarde. Regardez. Waouh. Comment pouvez-vous faire un truc pareil? Ah! Donne l'argent, donne un téléphone aujourd'hui, regardez. L'argent, donne un téléphone. Tellement ça étonne la seule fille. Regardez ce que cette jeune fille va faire. Regardez. Elle va prendre son argent. Elle m'a dit, mais pourquoi jeter de l'argent sur la caméra comme ça? Boum, sur la caméra aussi, pourquoi? Pourquoi tu jettes de l'argent comme ça sur les gens? Hein? Jette encore. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, elle jette de l'argent sur la caméra. Waouh! Elle a de l'argent, l'argent, beaucoup d'argent sur le téléphone. Depuis quand l'argent est là? Depuis quand l'argent est là? Dites-moi, mes frères et sœurs.
Depuis quand l'argent est devenu un téléphone? Un téléphone, on peut même appeler, même avec les lettres de billes. Répondez à ma question, depuis quand l'argent est devenu un téléphone? Regardez. Ah! Qui appelle qui? Dites-moi, entre nous, en vous aidant. Lequel de ces deux appels décrocherez-vous? Je suis que vous allez décrocher cet appel que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il y a lot of money. Mais si ce gars-là vous appelle pour vous dire Jésus vous aime, qu'est-ce que vos réactions? Vous allez dire, nous on veut l'argent. Parce que c'est l'argent qui vous intéresse aujourd'hui. L'argent intéresse le monde entier. Les gens sont chauds pour de l'argent. Jusqu'à ils pouvaient s'exposer sur les réseaux sociaux. Et ils causent, ils se communiquent, ils font des choses, ils font des trucs. Juste pour attirer le regard des gens. Celui qui cherche à plaire au monde entier va se retrouver dans les problèmes. Celui qui cherche à faire plaisir au monde entier va se retrouver dans les problèmes. De l'argent. L'argent. Frappe la caméra encore, l'argent là. Waouh. Encore. Voilà. Elle est peut-être de nous expliquer tant de choses qui se produisent. Elle nous révèle tout ça. Ce que les enfants font. Et ces enfants-là, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont sans doute pas l'habitude de visiter les endroits où on voit les gens qui sont dans la faim, les gens qui ont besoin de nourriture, les gens qui ont besoin d'aide. Moi, quand je vois de telles choses, je me dis que peut-être elles sont, ils disent c'est assurément, elles ne le savent pas, elles n'ont pas l'information, elles ne savent pas qu'il y a des gens qui ont faim sur la terre et qu'il y a encore des lieux sur la terre où les gens n'ont pas d'eau à boire, juste ça. Le juste nécessaire n'existe pas là-bas. Le juste nécessaire n'existe pas. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs. Dites-moi, mes frères et sœurs. C'est dans quelle intention ces gens-là ont fait des têtes vidéo? Est-ce que c'est juste pour faire le buzz? Est-ce que c'est juste pour attirer le regard des gens? Est-ce que c'est juste pour se faire remarquer? Dites-le moi. Ah! Bon, moi, je sais que je serai très riche. En tout cas, ça, je le sais. Mais c'est pas parce que je suis devenu très riche que je vais montrer à tout le monde que j'ai autant d'argent comme ça. Même quand les abonnés nous font des dons, via tout ce que vous connaissez, même en dessous, c'est les informations sont là si vous voulez faire des dons pour nous soutenir. Tous les abonnés qui font, nous font des dons. On fait des messages, on leur demande toujours d'envoyer un message juste en bas pour nous dire pourquoi est-ce que ils ont fait des dons. Juste pour qu'on utilise ces messages pour pouvoir encourager d'autres personnes, même soutenir d'autres personnes. Et même les dons qu'on reçoit de tous les abonnés ici, on les utilise nous-mêmes pour aider d'autres personnes. S'il y a bien une personne qui fait plus de dons même sur la planète que moi, c'est moi. C'est moi-même. Parce que personne ne sait ce que j'offre comme don aux gens. Moi, je le sais avec mon Dieu. Quand vous soutenez quelqu'un, c'est extraordinaire. Chaque jour, nous faisons des dons. Combien de vidéos avons-nous sur la chaîne? Ce sont des dons. Des dons de toute nature. De toute nature. C'est extraordinaire. Ça m'étonne. Dis à ton ami qui est à côté, ça m'étonne. Dis à ton ami qui est à côté, ça m'étonne. Dis à ta famille qui est à côté, ça m'étonne. Elle dit qu'elle a plus d'argent que ma grand-mère. Ça, c'est choquant. Vous ne savez pas que ça vous choque. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la fille, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ses filles? Pour ses enfants? On doit leur donner de bons conseils. Peut-être qu'elles tomberont sur cette vidéo. Et nous allons vous le dire. Si c'est quelqu'un qui vous pousse à le faire, c'est que cette personne-là ne vous aime pas vraiment. Parce que si cette personne vous aimait, cette personne vous pousserait plutôt à épargner ou à même créer une entreprise que vous pourrez même mettre en place et faire de bons buzz pour pouvoir permettre à votre entreprise de gagner de l'argent. De l'argent que vous économiserez. Et quand vous aurez votre 21 ans, vous serez déjà chez vous. Vous serez déjà bien construit. Vous allez devenir sur les réseaux sociaux et dilapider tout cet argent.
au lieu de prendre tout cet argent, acheter de grandes voitures. Même si tu es milliardaire, ne dilapide pas de l'argent comme ça. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle l'eau source de vie. Mais parfois là, quand tu manques d'eau dans le désert, même si tu as des milliards, tu pleures. Parce qu'il n'y a pas d'eau, tu peux acheter de l'eau, même ton argent ne te sert à rien. C'est là que tu vois que la vie n'est pas un jeu et qu'il faut vraiment faire très attention. Merci à la fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. C'est pas facile de faire une telle vidéo, surtout que ça nous touche nous-mêmes. Et c'est même la raison pour laquelle nous partageons cette vidéo. Alors vous partagez la vidéo, cliquez sur j'aime, si vous avez aimé, ça va nous permettre de savoir vraiment si vous aimez de telles vidéos. Et sachez que, chaque jour, de telles vidéos apparaissent sur notre boîte. Et ce sont des informations que nous aimerons vraiment en discuter avec vous. Réagissez dans la partie commentaire, dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Et que Dieu bénisse ça. En tout cas, si vous êtes bon, vous allez rester à la page d'accueil. Vous allez voir Yannis Coupon de Yannis Coupon 3 et Yannis TV. Abonnez-vous sur nos deux chaînes. Trois autres chaînes, plutôt. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous sommes en train de travailler pour vous offrir des choses extraordinaires sur la chaîne. Hors du commun. Prenez soin de vous, les frères et sœurs. Yannis Coupon, que Dieu bénisse.